Coucou monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous voyez, je vais avoir 2000 et je vais acheter la maison chinoise. Je sais pas trop à quoi elle ressemble, en tout cas elle coûte 2000, sinon je la revendrai, mais bon, on va voir. Du coup là je vais aller à l'école et du coup non mais je parle pas de l'école de la vague, je vais aller à l'école d'Adobe et du coup bah là ça va se finir, à part s'il y a une autre quête qui se met entre temps qui est moins longue, bah on aura direct fini. Là faut juste attendre un peu. Donc du coup là c'est à train de faire l'école. Pardon, je suis très enrhumée. Attendez, alors du coup là j'ai 2000, du coup on va acheter la maison chinoise. Donc du coup c'est parti, go. Si elle me plaît pas et tout, je la revends, même si ça sera un petit peu moins. Je la revendrai et j'achèterai un neuf. Mais du coup, c'est parti. J'espère qu'elle est belle parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Changer de maison. Donc, elle coûte 2000. Et donc, c'est elle. Ok, je vais voir à quoi elle ressemble. Donc on entre par là. J'espère qu'elle est belle et qu'elle est grande parce que 2000 c'est beaucoup. Waouh, elle est incroyable. Elle a beaucoup beaucoup de pièces. Je parle de pièces, voilà, de maison. C'est vraiment trop stylé en chinois comme ça là. En plus moi j'adore tous les trucs chinois et tout. Waouh, vraiment trop stylé. Je vais pas revendre ma maison honnête même pour gagner de l'argent car je l'aime trop. Mais en tout cas, magnifique maison. Je valide. Voilà. Je valide perso et je vous conseille de l'acheter. Si vous avez assez car elle est grave. Je veux dire que ça vaut, je trouve, pour 2000. En plus, j'en vois pas beaucoup donc... je vais pas mettre rose, ça va pas trop. C'est pas trop quoi mettre là. Je vais voir si ça fait quoi. Ah ouais, 800 c'est pas beaucoup, même pas 1000. Alors je vois qu'elle est belle. Donc voilà. Hop. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bye!